Coucou tout le monde, c'est Odd et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière car la collection Balade printanière m'a inspiré le jeu de mémoire qui se réalise avec des cartes. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Il se trouve donc en boutique. Vous avez le fichier PDF pour impression et découper au ciseau. Vous avez la version avec le dossier Cricut pour faire du print and cut. Et la découpe de la boîte avec en format SVG. Donc pour le print and cut, pour rappel, ce sont des PNG. Donc je vous mets, il y a une fiche instruction. Lisez la fiche instruction, je vous donne les mesures des cartes, etc. Et pour silhouette, il y a donc le dossier silhouette avec les print and cut, etc. Et pareil, il y a un dossier instruction. Donc juste après, nous allons réaliser ces petites cartes. Enfin, c'est... Le fichier et la boîte, on va dire coordonnées. Moi, j'ai choisi d'utiliser deux cardstock de couleurs différentes car j'ai utilisé mes chutes de papier. Et comme tout jeu, il y a une règle si on joue à plusieurs ou si on joue tout seul. Ceci n'est pas un print and cut, quelle que soit la version silhouette, Cricut ou PDF, ciseaux. Vous avez tous la même chose. Alors, vous pouvez l'imprimer en recto verso comme moi pour avoir le même verso qu'ici, que les cartes. Pareil, les cartes, vous n'êtes pas obligé d'imprimer en recto verso. Vous aurez un fond blanc. Ce n'est absolument pas gênant. J'ai juste voulu faire comme ceci pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc, j'ai imprimé ma règle du jeu. Je vais me munir, alors c'est tout ce qui me reste de mon recouvre-livre repositionnable. N'utilisez pas la plastifieuse parce qu'il va falloir plier en trois pour pouvoir mettre ici. De même, si vous ne faites pas un recto verso, vous pouvez découper ceci, plier en deux et ensuite en trois pour coller dos à dos ceci. C'est comme vous le souhaitez, vous avez plusieurs possibilités. Donc moi, je vais positionner déjà ici ma feuille. Alors, on n'est pas obligé de faire la même chose au dos, mais je trouve que ça permet de moins abîmer tout ceci. Alors pareil, ce dossier, cette fiche-là, elle est disponible dans les trois dossiers. Comme ça, si vous êtes dans Cricut, vous ouvrez que Cricut. Si vous êtes dans Silhouette, vous ouvrez que Silhouette. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de fouiller dans un autre dossier. Si vous utilisez Silhouette, vous ouvrez le fichier Silhouette. De même, si vous n'avez pas de Cricut, vous pouvez supprimer le dossier Cricut. C'est comme vous le souhaitez. Alors par contre, là, je vais me faire des petits repères. Juste pour me mettre au moins au même endroit, plus ou moins, parce que là c'est quadrillé, donc ça va m'aider. Et voici le jeu. Donc, c'est un jeu à partir de 3-4 ans en règle générale. Il se joue donc seul ou à plusieurs. Donc, ça peut être intéressant d'y jouer en famille. J'ai fait des cartes de 5 par 5 cm approximativement. Donc, elles sont pas trop petites pour être retournées, mais pas trop grandes. Et ça permet d'avoir un mini-jeu à emporter en vacances sans que ça prenne trop de place. Donc j'espère que ce mini-jeu vous plaît. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo pour le montage de la boîte et les explications que j'ai pu donner pour les print and cut des cartes. Pareil, je les ai plastifiées avec du recouvre-livre repositionnable.
qui est un, en fait, c'est quelque chose d'assez souple qui permet d'être plié et on peut vraiment découper au bord sans risque de décollage parce que je n'ai pas de matériel pro. Donc, lorsque je fais avec une plastifieuse, je suis un petit peu embêtée parce que parfois ça se décolle si je découpe au ras. Là, avec cette méthode-là, je n'ai pas de problème. Si vous n'avez pas de silhouette ou de Cricut, vous pouvez acheter ce fichier. Vous avez le dossier PDF, donc découpe au ciseau. Vous avez les boîtes. Les boîtes, vous avez les schémas. Donc, vous reproduisez les schémas sur vos cardstock de vos choix, de votre choix, ou de vos choix. Ça dépend si vous faites comme moi avec deux différents. Donc, il y a les mesures qui sont données. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère vraiment que ce contenu-là vous plaît. C'est tout à fait nouveau pour moi. Voilà, c'était suite à un anniversaire d'une petite fille. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Les cartes, elles mesurent 5 par 5 cm. Donc, je vous donne cette mesure parce que dans Cricut, lorsque vous allez importer le PNG, il va être plus grand. Donc, vous pouvez les mettre à 5 par 5 de manière à avoir 15 cartes sur une feuille à 4. Vous avez aussi le papier de fond à petits carreaux comme ceci. Donc, comment j'ai procédé? J'ai imprimé mon fond. Bon, avec ou sans marge, ce n'est pas important parce que vous voyez, nous avons quand même de l'espace de part et d'autre. Même si vous avez une imprimante sans marge, ça marche totalement. Vous avez aussi le format A4 et letter pour les personnes qui ne sont pas en Europe et qui n'ont pas donc le format A4, mais letter. 8,5 par 11 pouces de mémoire. Donc, j'ai imprimé en premier mon fond, donc le petit carreau. Je suis partie, j'ai remis donc le papier ici imprimé dans mon imprimante pour imprimer le verso. J'ai été dans Silhouette, j'ai ouvert mon fichier Silhouette et j'ai lancé l'impression du fichier. Donc, il se peut que dans le fichier, je vous rapproche un peu plus pour laisser plus de place par rapport au repère d'alignement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis du plastique repositionnable, donc c'est pour recouvrir les livres. C'est plus facile que d'utiliser par la suite une plastifieuse. Cela va beaucoup plus vite. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une plastifieuse, c'est-à-dire que vous les imprimez, les découpez, et ensuite, vous les placez dans votre feuille à plastifier et vous découpez au ciseau. Là, je n'aurai pas besoin de découper par la suite. Elles seront totalement finies une fois que la découpe sera faite. Par contre, quand vous mettez le plastique du côté des repères d'alignement, on va faire attention de ne pas en mettre sur nos repères pour éviter de créer un reflet qui pourrait induire en erreur la machine. De même, étant donné que la découpe, elle est pile autour des cartes, il n'y a pas de contour blanc. Je vous invite à mettre dans la page, dans la fenêtre des repères d'alignement, en bas, vous allez voir, il y a fond perdu. Alors, je pense que c'est accessible à tout le monde, je ne sais pas. Sinon, ce n'est pas très grave, vous aurez un petit, s'il y a un décalage, vous aurez un petit peu de blanc, sinon, vous n'aurez pas de blanc du tout. J'ai aussi mis le plastique au dos. Et maintenant, je n'ai plus qu'à envoyer ceci à la découpe. Toutes les cartes seront à découper en double. J'ai utilisé un papier 250 grammes Clairefontaine et plastifié des deux côtés. Il est suffisamment épais pour un petit jeu de vacances ou même à la maison. C'est un petit jeu, on va dire. Vous savez, les mini-jeux à emporter un peu partout. Pour la boîte, j'ai fait quelque chose de très très simple. Donc, c'est un peu comme une boîte allumette. Attention, les mesures ne sont pas justes. Donc, il faut suivre les lignes de rainurage avec les lignes de pli ici. Je ne donne pas les mesures, de toute façon ce sont uniquement des fichiers de découpe. Le premier est à 1,5 pour la pâte de collage et ensuite il faut faire en fonction des lignes de rainurage. Donc on fait attention et on se cale bien avec les lignes de rainurage. Vous n'êtes pas obligé de marquer les lignes de pli avec votre plioir.
vous pouvez directement le marquer comme on a l'habitude de le faire si vous le souhaitez. Pour la déco de la boîte, il y a des print and cut dans silhouette qui correspond à ceci. C'est un papier scénique donc de la collection Balade printanière. Dans ce pack, il y aura aussi donc le papier scénique inclus au format A4, de manière à ce que si vous utilisez par exemple Cricut, vous pouvez après faire des découpes avec ce papier-là. Ainsi, si vous n'avez pas la collection et vous voulez le petit jeu, vous pouvez toujours avoir la même déco que vous qu'ici. Il y a aussi ce petit écusson avec jeu de mémoire et la découpe dans un cardstock pour mettre en relief. Et j'ai décidé cette fois-ci d'ancrer un petit peu les bords pour mettre toujours en relief. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça sort un petit peu de l'ordinaire, mais ça fait un petit cadeau de dernière minute. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Scrapez bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!